Bonjour à tous et à toutes, sur le CBN pour la suite et la fin de l'épisode 3, potentiellement, je pense, de Apollo Justice, Ace Attorney 4, l'œil de la vérité, tout ça. La dernière fois, nous avons eu pas mal de choses et d'autres que je m'en vais vous expliquer. Dans la première partie de procès, qui a été assez longue, nous avons donc eu le témoignage de Thomas Lamiror, qui, en plus de ne pas être aveugle, parlait français très peu, mais le comprenait au moins. Lamiror a essayé de le protéger, ça n'a pas marché. Nous en savons un peu plus sur le tour de magie qui a été utilisé lors du concert de Lamiror, que nous avons pu déduire, à savoir que Virgil Grimaud a arrêté dans le coup, et... malgré tout, c'est Darion qui est montré comme étant le coupable potentiel, c'est sur lui qu'on s'acharne. Et donc du coup, c'est Darion qui va être sur le devant de la scène durant cet épisode. Le jeu veut nous faire croire que c'est Darion, donc du coup, si c'est Darion, je ne serai absolument pas surpris, mais pas du tout. Commençons. Et oui, et pendant la deuxième partie, le meurtre a eu lieu en plein milieu de l'ascension de Lamiror. Mais pour ça, je vous invite à regarder la partie concernée par vous-même et de comprendre. À notre ami Wright, que nous n'avons pas vu depuis un petit moment. Et il continue de s'en foutre. Yes! Yeah, trop bien, j'aime beaucoup, oui. Ah bon, d'accord. Ah, mission secrète. En plus petit, moins bien habillé, exactement. Ah oui, et nous avons aussi appris un peu plus sur Vérité, ses origines, son histoire. Mais évidemment, pour le savoir, je vous invite à regarder les vidéos concernées. Oui, tu veux me parler? Alors attention le sourire. La bonne chance. Faut pas dire bonne chance, faut dire fichtre. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas dans quel système judiciaire nous sommes, je le rappelle, c'est franchement c'est le système judiciaire que j'aimerais bien qu'il se mette en place. 3 jours pour prouver que quelqu'un est innocent ou coupable. Voilà. Et c'est tout. Ah, c'est rien du tout ça, ouais. Oui, aussi. C'est très beau, merci, j'ai faim maintenant. Ah! Ah! Madame Sky, qu'est-ce qu'elle va me donner? C'est... c'est pas... ouais... ouais... et c'est censé être quoi? Un pétard? Ouais... ah! Oh! Est-ce que par hasard, c'était pour détourner l'attention de le tous? Ah, si c'est ça. Ouais, je pense que ça doit être ça. Il y avait quelqu'un qui a caché ça sous le canapé. Le tous est crescendo, si c'est bien ce que je pense.
étaient dans la salle plus loin du canapé, donc ils sont derrière eux. C'était Lotus qui était de dos face au canapé et Darian qui était devant Lotus, donc devant le canapé. L'interrupteur a mis le feu au pétard, le bruit a fait détourner le regard de Lotus qui s'est retourné et pan, deux balles. Voilà. C'est-à-dire qu'on va devoir... on va le voir un petit peu mentir, hein, n'est-ce pas? Alors, il est... Ah, il est là. Parfait. Il était mon premier collègue. Oh là là. Oh là là. Oh mon dieu. C'est beau. C'est beau. Mon front n'est pas grand. Fous la paix à mon front. Thorion, le symbole phallique. Niveau capillaire. Ok, jusqu'à ça se tient. Waouh. Wow. Oh, ça y est, ils vont se battre. Oh là là, ça parle mal. Oh tu... Ouh là là. La guerre. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Ah direct, on commence sur une bonne musique. Ah, la musique, stop là. Oui, j'ai toujours ce petit problème, hein. Je peux rien faire. Je ne peux rien faire pour la musique. Le PC est trop mauvais. Mais calme-toi. Oh, il t'a rien fait, ce mur. Oui. Oui, oui, plus vite, plus vite. Allez. Surtout, prends bien le temps de pas aller vite, hein. Non, la musique, arrête. Ah, c'est marrant, ça avait bien un peu. Je crois que l'ordi est au bout de sa vie. J'espère que ça va pas se reproduire. La musique est au bout de sa vie. D'accord, bon maintenant. Bah non, attends. Moi je vais te présenter la table de mixage, hein. Parce que je suis pas d'accord. Oui, c'est un gramophone. Ah là là.
Allez, on y va. Ah. Ah, tu doutes un petit peu. Ah oui, il doute un peu là, il commence à douter. On sent sa capillarité le tromper. Alors maintenant, amusons-nous. Alors, on va commencer la musique. Alors, c'était pas là-dessus. La voix de la Mirror, c'est sur le curseur 1. La basse sur le 3. Piano sur le 4. Et la guitare sur le 5. Attention. Batterie. Ah. Attendez. Attendez. Attendez, j'enlève tout. Ah. Ah. Attendez. Alors là. Eh. Eh. Alors là, oh. Alors, je pose la manette. Voilà. Sans la musique, hein. C'est un petit peu perturbant. Première partie. Là. Ah ah. Cher. Pardon, j'ai rigolé, MDR. J'ai rigolé très fort, je m'excuse. Oh, putain, il accuse son pote. C'est chaud. Mais oui, ah, c'était un piège. Tout ceci n'était que commenté. Oui. Et là, attention, ça va aller très vite. C'était un pétard. Apprends ça. Et oui. Un petit dispositif, comme vous le voyez. Oui. Il y en avait deux, je crois, deux. Encore une guitare, non. Exactement. Oui, je pensais. J'étais même sûr, mais non. Décision des... Ah, d'accord. Ah bah du coup ma théorie tombe à l'eau. Pour le LOL MDR. Alors je sais pas. Ah bah là maintenant ça va mieux. Quoi? Oui. Ah oui. Oui. Oui, celle qui était par terre, que j'ai jamais pu ramasser. Ah, mais il a même des chutes derrière. Mais c'est quoi cette nuque longue et étrange?
je comprends plus rien là. Je suis perdu. Il est sous hyper doux, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc ah bah du coup ça se tient non? Ce que j'ai dit au début. Ce qu'on a entendu c'est le pétard. Et ensuite c'est le coup de feu. J'espère que c'est ça. J'espère vraiment. Merde mon grand front. Ah oui, parce qu'il a pris un petit peu en retard. Oui, enfin... Non, ça me paraît un tout petit peu gros là ce que tu suggères. Ça me paraît très gros. Ah, là c'est un poil plus possible. Quoi ? Ouais, attends, t'es en train de défoncer ton pote. Quoi? Moi? Ah oui. C'est vrai. Il a pas tort. Il a pas vraiment tort. Même si... Même si. Ceci peut expliquer cela. Ça peut peut-être expliquer. Il se fout de moi en plus. Il est marrant le petit Crescent. Oh la musique s'il te plaît. Ah, quoi que, ouais.
Oui. Oui. Entre autres, mais pas là. Oui. Alzheimer. Non, la lumière. Alors, je ne sais plus le nom. Ah ah. Ah, c'est ça, je ne savais pas, dis donc. Enfin, la musique, s'il te plaît, l'ordinateur, évite de crever. Évite de mourir, ordinateur. Ah, on a touché quelque chose. Oui. Ah. Ah, mais oui. Eh ben, déposition. Bon, ça va être facile, hein. Ça va être très très facile parce que j'ai exactement ce qu'il faut. D'ailleurs, si je peux avoir la preuve, merci. Ouais, ça de... Attends. Je regarde juste un petit article de journal que j'ai là. Voilà. Ça entre autres, je suis pas certain. Attends. Quoique. Non. C'est ça, ouais, c'est celui-là. Objection. Je suis pas d'accord. Sûrement pas. Et paf, Florian. Oui. C'est le sujet. Voilà, l'incuratis, hein, c'est trouve un truc qui existe peut-être, mais je ne sais pas, je n'ai toujours pas cherché. Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Waouh. Wow. Oui, mais bon, hein. Il n'y a rien. Assez pour te faire cacher cette coupe de cheveux. Et ben actuellement, rien du tout. Ah bon? Mais bah dis donc, que d'interrogation. Alors ça tu te... Non, ça par contre ça passe pas. Ça non. Ça parce que... pas certain. Pas certain du tout que ce soit vraiment regardé.
Ah, voilà, lui il a compris. Attends, attends, j'essaye de m'en souvenir. Ma guitare, c'est un cadeau de la Mirror. Ouais, je crois que c'est ça. Oh bah dis donc, eh. Mais dis donc, eh. Putain, c'est bizarre, ça. Putain, c'est fou, personne n'y a touché. Oh, oh bah dis donc. Eh, dis donc, eh, c'est fou, ça. Oui. Ah bah alors là... Complètement. Est-ce que tu entends cette magnifique musique? Qui, j'espère, ne va pas planter. Oh yeah. Yes. Trop bien. Allez. Ah, la rosace, elle fameuse rosace. Incroyable. Oh, c'est fou, ça. On a fait passer un amorceur dans ta guitare. Et tu l'as pas vu? Mais ça alors. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment fou. Oh bah dis donc, Dorian. Oh là là. Mais... Oh, je suis choqué par sa révélation, dis donc. Coupe de cheveux, fais gaffe. Plus de gel. Le pot de gel. Ah bah... Oui. Tellement. Ah merde, mais du coup... Ah non, mais du coup, ma théorie s'effondre. Oh non. Ça veut dire que... Si jamais c'était fouillé, paf le bouton, ça brûle, plus de prod. Oh. Écoutons, premièrement, vol de mes clés. Incident. Attention, je dramatise. On va forcer à casser l'étui de ma guitare. On a volé la clé pour récupérer le cocon à l'intérieur. Je vois. Mais c'est pas fini! Non! Loin de là! Le trafiquant ne s'attendait pas à ce que les guitares sont emballées. Et là! Chute! Chute! Un membre du groupe pouvait s'approcher de lui, un seul membre du groupe l'a déballé, aurait attiré trop de soupçons. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais on s'en fout, le concert a commencé. À peu près à ce moment-là, paf, le trafiquant, il s'est retrouvé face à un problème. Le garde du corps, monsieur de tous, l'impresario. L'argent secret, il suit une piste, il était là, ils sont au courant, ils savaient tout. Il y a les documents, il a voulu examiner la guitare, et il l'a voulu. Et s'il était confisqué, la sphère était foutue. La solution, se débarrasser de lui. Et donc là, c'est fini, terminé. Il appuie, et paf, la guitare prend feu. Détruit, volé, envolé. Et là après... Mettre la pause. Le témoin, exactement, c'était toute l'affaire que j'ai essayé de résumer au mieux. Bouche B. Ah, finalement non. Ah, chapeau quand même, mais chapeau. La volette. Eh oui. Eh oui, hein. Ah, le fameux complice. Le fameux complice.
Ah, et c'est là. Et c'est là. C'est là que, hélas, ah, les grandes accusations sont merde. Ah, voilà. Attention, grosse barre. Voilà. Oui. Alors, le complice, alors, non, non, sûrement pas. Ça aurait pu, mais non. Non plus. Ça peut être soit la Mirror, ça m'étonnerait, soit Thomas Cache-Cache. Et je suppose que c'est Thomas. Et c'est avec douleur que c'est Thomas. Avec douleur que j'ose le dire. Non, la musique, arrête de... Non. Ah, j'en suis sûr, certain, et... Exactement. Il marche dans un rayon de 10 mètres. 10. Sinon, tant pis. Regarde bien, faisons un cercle avec un compas. Voilà. Le signal n'a pas marché. Et oui. Alors. Hop. Voilà, Gavin joue de la guitare. Très belle guitare, jolie doigtée. Et là il y a un truc, il y a un reflet là qui m'énerve, qui me... Ah mais c'est pas un reflet, c'est une lumière. J'ai vu de la lumière. J'ai vu de la lumière, j'ai vu quelque chose. Je sais, merci. On n'a pas entendu le coup de feu, c'est ça? Oui. 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 Il est où le piano? Il est là. Ah c'est ça, ça s'est déclenché, ça a brûlé, ça a commencé à brûler. Ah, t'essaies de me dire, oui, mais on n'a pas entendu le clic. Ça tombe bien, j'ai une idée. Non mais non, celle-là je la compte pas. Ah là là, ah là 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 là. Bah oui, je peux. Non mais je peux vous le dire, hein. Non mais ne la remettez pas s'il vous plaît. Oui, et donc... Non mais s'il vous plaît, au secours. Oui.
Qu'est-ce que tu me veux, toi? Non mais il est le complice, hein, j'en suis certain. C'était il y a 30 secondes. Calmez-vous sur les flashbacks. La réponse est oui. J'en suis certain. Sur quoi basez-vous votre certitude? Eh bien écoute, j'ai un truc pour ça, ça s'appelle une superbe table de mixage. La musique. Voilà, écoutez bien, attention, ça va aller vite. Hein. Eh oui, ah, quand même. Ah. Ah, mais j'en suis certain. Tu te fous de moi? Le prouver, hein, oui, amène un piano, amène un piano, hein. Oui. Attention, ça va aller vite. Attention, alors. Alors, la voix, on la vire. La batterie, on la vire. La basse, on la vire. Attention, ça va aller vite. Ah, attendez, je vais remettre tout au début parce que je suis pas certain. Thank you.
Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est complètement la première. Je suis certain de ce que je dis. J'ai mis un petit moment avant de réfléchir. Ah bah oui. J'ai pas compris, je crois. On entend les aigus et les graves, j'ai l'impression. Oh non, mais pas encore. Alors. Ah. C'est ça, c'est une histoire de notre aiguille grave, c'est compliqué à deviner, mais il faut un certain moment. Je suis pas très musicien, mais ça s'entend. Ah oui, ça y est. Peut-être. On ne sait pas. Bon, bah, c'est fini. Ah, semble-t-il que non. Ah, c'est moi! Ah! D'accord! Comment ça? Bah si! Ah, tout le monde... Ah bah évidemment! Évidemment! Ah bah oui! Je suis déçu et triste, et de ce qui s'ensuit. Bah ouais, évidemment, hein. Laisse-moi réfléchir une seconde hein, avant que je te dise.
Oui, c'est grave, je sais. Trop longtemps, tu veux qu'on leur parle des procès qui durent depuis 1 heure? Oui, monsieur. Bon. Ah, j'aime pas ça. Ah, est-ce que je bluffe? Oh, je vais tenter un coup de bluff. Oui, un témoin. Exactement. Wow. Thomas? Ah, allez, on y va, j'y vais jusqu'au bout. J'y vais jusqu'au bout, je tente le bluff incroyable. Révélation de Wolfgang. Bah ouais, toujours et encore. Ah, semble-t-il que j'ai tenté un truc et ça n'a pas marché. Je sentais quelque chose en vie. Ah bah oui. Ah, évidemment. Bah oui, c'est en Borgenie que la peine de mort, c'est pas ici. Et ouais! Oh là là! Oh, c'est bête la vie, hein! Oh, c'est. Ah, t'es Lillois, tu sais. Mais rien du tout. Mais fini, c'est terminé. Ah bah si. Ah bah si. Ah, ça y est, on commence à voir quelque chose là. J'ai rien compris, mais je crois que j'ai gagné. Je crois, hein, je suis pas certain. Je crois que j'ai gagné. Je crois que je suis certain. Ouais, c'est fini.
Bah oui, c'est comme ça. Oh, il a des yeux en fait. Et il est moche! Putain! Tu es laid! Remets tes lunettes. C'est dégueulasse. Wow! J'ai gagné! Trop bien. Il est moche, putain! Ah, mais c'est pas possible ça. Oh là là. Horrible. Horrible. Ah, je sais bien que la beauté intérieure, tout ça, mais il est moche, ce gamin. Salut Jean-Mi. Eh ben, on... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pu, oui. Bah oui, hein, écoute. Ah bon? C'est une bonne nouvelle? Ah. Alors oui. Mais tu payes comment? Un accident... Regarde, aveugle. Eh, c'est drôle. Hein? Eh, faut pas faire des jeux de mots là-dessus. C'est un peintre, un paysagiste. Yes. Oui, si tu veux. Si t'en as envie. Vas-y, oui. Ah bon? D'accord. Très bien. D'accord. Ok. Et puis c'était terminé. Tu m'étonnes. Oh là là. C'est marrant. Et c'est vérité qui dit ça, et c'est la fin de l'épisode 3. Bon. C'était pas ouf. C'était pas ouf. Et donc là, ça, je crois, c'est le dernier épisode de, du jeu. Je pense que c'est le dernier épisode, donc oui, nouvel épisode ajouté, très bien. Bon, que dire. J'étais pas emballé. Je suis pas emballé par cet épisode. Il est un peu complexe, je veux bien, mais on sent qu'il y a une... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté en moins, on suppose moins ce qui peut se passer. Je suis pas convaincu, je suis vraiment pas convaincu, mais ça reste un épisode, je dirais classique. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Bah du coup, c'était un épisode simple et voilà. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. En espérant que ça vous ait plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous êtes d'accord, ce que vous en avez pensé, tout ça. À vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. À regarder les autres vidéos si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne. À me suivre sur Twitter où je suis présent. Et Instagram, tout ça. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Apollo Justice Ace Attorney.